La musique. Stop. Allez, on reprend depuis le début. Toi, t'es danseuse étoile. Ah ouais? Ça fait 5 ans que t'as pas dansé. Réellement dansé, je veux dire, enfin, les blessures à répétition, les arrêts maladie, c'est plus possible maintenant. Même avec la meilleure volonté du monde, jamais tu retrouveras ton niveau d'étoile. L'opéra, c'est toute ma vie. Je fais que ça depuis que j'ai 6 ans. Si on l'enlève, je sais pas ce qui me reste. Une deuxième chance. C'est tout ce que je te demande. À ta réussite? Ouais. Vous savez, je suis pas venu à l'opéra pour distribuer une étoile reconnue dans un ballet de Nourieff. Et d'ailleurs, on m'a pas nommé pour ça, donc... Elle supporte pas que j'ai pris la place de son poulain, mais ça lui passera. T'es sûr de ça? Ouais. On voit que vous aimez donner la chance à des jeunes danseurs. Faire son premier grand rôle à 20 ans, ça doit être possible. Et ton uniforme? Non, mais en fait, je suis danseuse. Quand on est surnuméraire, on est moins bon que les autres, non? Alors on s'arrange pour être à l'heure. Sortez. Rassure-moi, tu sais que t'es noir? On est là pourquoi alors si c'est perdu d'avance? Pour vous éviter d'être viré. Chaque jour de gagner est un jour où vous allez danser. Je veux vous voir partout. Une danseuse, il faut que ça danse. Le licenciement abusif d'une danseuse étoile. C'est ça que vous appelez une conciliation discrète? Vous êtes censé tout savoir, vous comprenez ça? Tout. Vous devez être mes yeux, mes oreilles, mon nez. Oui. C'est clair? Oui. La nouvelle direction compte déclencher la mesure inédite et hautement symbolique du licenciement d'une étoile. Je ne change pas ma chorégraphie. Vous allez distribuer Zoé Monin? On est dans une merde, là. Me virer fait partie de votre plan de carrière. Je suis convaincu que l'opéra peut très bien se passer de vous, et même se portera mieux sans vous. Vous êtes un parasite, vous vous nourrissez sur le dos de la bête. Vous vous accrochez parce que vous n'avez rien d'autre dans la vie. Si vous aviez autre chose, vous ne seriez pas là à pleurnicher devant moi. Lâchez-nous. Lâchez l'opéra. Allez construire votre vie ailleurs. Mais là, j'ai vraiment besoin de toi. Pourquoi moi? Tu les as vues, les petites filles, tout à l'heure. Elles ont le même chignon, elles ont le même corps, la même tenue. Elles sont toutes parfaites, c'est toutes les mêmes. Moi, je galère à me faire un chignon. J'ai l'immense honneur de nommer Flora Soumaré, danseuse étoile de l'Opéra de Paris. Vous m'avez prise parce que je suis noire? Parce que t'es talentueuse. Et noire. Et noire. C'est plutôt fort comme geste. Audacieux même. Hein? De quoi vous parlez? D'avoir donné le rôle de Cécile de Volanges à une danseuse noire. Il fallait oser. Je suis ravie que vous l'ayez fait. Moi aussi. J'ai hâte de vous voir le danser. Je cherche quelqu'un pour me préparer. Et moi, j'aurai rien d'autre à foutre les semaines à venir, c'est ça? S'il y a quelqu'un à qui on a dit c'est pas possible et qui allait quand même, c'est vous. Extension! Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu fais de l'aérobic? Je bosse. Je donne tout ce que je peux. Tu veux un bon point parce que t'as réussi une arabesque? Tu crois que ça marche comme ça? Tiens, c'est forcé d'être la jungle. À ce concours, tu vas être jugé pour ce que tu vaux, pour ce que tu donnes. Et pour rien d'autre. Tu sais ce que je donnerais pour ça, moi? Debout. Ça va? Ça va, c'est bon. J'ai ma variation avant la tienne, je vais pas tant que t'es pas debout. Allez. Voilà. Dégage, tu me saoules. Laissez-moi le danser. C'est quoi, tu sors maintenant? Sors! Je vous demande votre démission. J'ai besoin que tu danses mon rôle. Il y a 6 mois, tu voulais me virer. J'étais plus assez bonne, j'avais plus le niveau. Qu'est-ce qui a changé, là? Tu t'es battue. Et tu m'as impressionnée. À la fin, ce qui compte, c'est... une fois sur scène, est-ce que j'en suis capable? Sinon, pourquoi je me bats? Au fond de toi, tu dois savoir ce que c'est, ta motivation. Danser avec toi la saison prochaine.